Dieu, Saint Alléluia. Nous allions être notre Dieu, Seigneur, nous bien solo. Nous va qui était dans mon canyon, mon côté à côté, nous allons être dans un pays. Ma mouillon, son colon, ma côté à ma dénaïa. Pour ces pays, était au théâtre, nous sommes au banaïo. On gagne des services, on a des services au Zéna. On peut s'amuser, on peut monter ma course sur la combattre là. Pour la mon colon, il y a une zone à Zambé. Quand ma mission est sous Christ, on a Zéna de l'Oba. Nous l'aiguillons notre Dieu, Seigneur, pour moi, Dieu, nous l'a qui était. Je te demande des choses et ne me refuse pas avant que je ne meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ô Dieu. Enseigne-nous la vérité de ta parole. Montre-nous la voie, ô Dieu. En nous l'explication, Seigneur, de cette écriture. N'a qu'on connaît sous Christ. Nous saluons tous dans le nom glorieux et précieux de Jésus-Christ. Nous disons que Jésus bénisse la présence de tout un chacun. Et que sa grâce nous couvre. Et qu'il nous ouvre l'intelligence pour comprendre ses écritures. Et Dieu vous bénisse encore au nom de Jésus. Et sans plus tarder, nous prenons la lecture. Genèse chapitre 46. Mon cadet, mon bimi, mon capoitou, comme il est, motoba. Verset 31. Zéla, il a tout commis ça, tu n'as encore. Jusqu'au 34. Qui n'en a zéla, il a tout commis ça, tu n'as encore. Nous allons prendre le chapitre 47e. Et si ma tout besoin, mon capoitou, comme il est, il a sa bonne. Genèse 46, 31, 34, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père. Joseph dit, je vais avertir Pharaon. Et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes me sont bergers. Car ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs. Et tout ce qui leur appartient. Et quand vous appelez, dira, quelle est votre occupation? Vous êtes tellement élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent. Nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays des Gozan. Car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Chapitre 47, nous commençons à partir du verset 1. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, mes frères, c'est mon père, et sont arrivés au pays des Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et voici dans le pays des Gozan. Il prit 5 de ses frères et le présenta à Pharaon. Pharaon lui dit, quelle est votre occupation? Il répondit à Pharaon, les serviteurs sont bergers, comme l'était nos pères. Que le Seigneur vous ajoute cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que sa grâce soit encore sur nous. Et qu'il puisse nous parler en abondance. Pour que dans cette parole, nous puissions avoir la guérison même à nos maladies. Parce que nous croyons que dans la parole, il y a aussi la guérison.
Quelqu'un peut être malade. En écoutant la parole, le Seigneur peut aussi les guérir de ça. Quelqu'un peut être enchaîné. Il peut être envoûté. Mais quand la parole se prêche, nous nous croyons qu'il peut aussi recevoir la délivrance. Quelqu'un peut manquer un don spirituel. Nous nous croyons. Et quand la parole se prêche, il peut aussi recevoir les dons spirituels. Je suis dans la maison de Corneille. Corneille n'avait pas de Saint-Esprit. Il lit et ses siens. Il n'avait pas de Saint-Esprit. Quoi qu'il faisait les offrandes au monde, que l'Éternel a créé. Mais Corneille n'avait pas de Saint-Esprit. Mais quand le Seigneur a envoyé Pierre dans la maison de Corneille, quand Pierre était arrivé dans cette maison, il a commencé à parler. Il a tenu son discours. Et les saintes écritures déclarent ceci. Cependant que Pierre tenait son discours, que le Saint-Esprit était descendu sur Corneille et sur Cécile. Non, Corneille n'a pas reçu le Saint-Esprit après le baptême. Corneille n'a pas reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains de l'apôtre. Corneille a reçu le Saint-Esprit seulement en écoutant la parole. Cependant qu'il écoutait la parole de Dieu, la bouche de Pierre, c'est comme ça que Corneille avait reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi moi je crois. Et pendant que la parole se prêche, il y a des réalités spirituelles qui se font dans nos vies. C'est comme ça que nous demandons aux enfants de Dieu d'être attentifs. De ne pas être distrait pendant que la parole se prêche. Dieu peut te visiter. Et je prie ce Dieu-là. Que pendant que je prêche, Dieu te visite au nom de Jésus. Et s'il reçoit la solution à ton problème au nom de Jésus. Et s'il reçoit les ouvertures de toutes les portes qui sont fermées au devant de toi. À celui qui croit, que Dieu soit avec lui. Que Dieu vous bénisse. Nous avions introduit notre enseignement les mardis passés. Le thème, c'est ces hommes sont bergers. Nous avons dit que c'est un thème dont la matière est vaste. On a beaucoup de choses à dire sur ce thème. Mais nous sommes limités par le temps. Nous allons faire un effort pour compresser l'enseignement, donner les grandes lignes. Cela nous aidera, nous facilitera à comprendre les choses de Dieu. Nous allons travailler les thèmes à dévoiler. Je crois, si vous avez tiré l'attention, nous avions lu Genèse 46 et aussi Genèse 47. Question Genèse 46 et 47 ne parle que des hommes qui sont bergers. Nous disons que nous avons travaillé cela en deux phases. La première phase, c'est Genèse 46. La deuxième phase, c'est Genèse 47. Pourquoi je vais travailler cela en deux phases? Si vous remarquez bien aimé dans le Seigneur, Joseph s'adressait à tous ses frères et à la famille de son père. Il leur dira que moi je vais avertir Pharaon. Mais je sais que Pharaon vous appellera pour vous poser des questions. Donc on suppose que dans Genèse 46, c'est toute la famille.
Et tous les frères de Joseph, mais si vous lisez bien le chapitre 37, au verset 2e maintenant, dans la pratique, Joseph ne va pas amener toute la famille de son père. Le verset 2 nous dit seulement, et il prit 5 de ses frères. Chaque fils de Jacob avait son nom propre. Et ils étaient au nombre de 12. Si vous enlevez Pharaon, il reste 11. Et quand l'Écriture dit qu'il prit 5 de ses frères, ces 5-là ont leur nom propre. Quoique l'Écriture n'a pas montré cela, dans la deuxième phase. Voilà pourquoi je nous exhorte à ne pas manquer le culte de la semaine prochaine. Nous allons nommer les 5 frères de Joseph. Ils étaient allés vers Pharaon pour représenter tout le peuple. Que Dieu vous bénisse. Dans la première phase, nous parlons de Joseph. Nous allons expliquer aujourd'hui les frères et la famille de mon père. Que Dieu vous bénisse. Moi, je me parlais avec la précision. Et j'aime aussi les détails des Écritures. Je vous avais dit que ce n'est pas pour rien l'Écriture donne la précision. Lui-même Joseph donne la précision. Si Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, quand nous disons ces hommes sont bergers, si l'on te pose la question, qui sont ces hommes-là, les bergers, la réponse est quoi? Ce sont les frères de Joseph. Deux, c'est la famille de son père. Et Dieu vous bénisse. Vous comprenez le frère? Ces hommes sont bergers. Qui sont ces hommes-là? Les bergers, c'est d'abord le frère de Joseph. Les bergers, c'est la famille de son père. Et le frère de Joseph et la famille de son père, vous bénissez. Aujourd'hui, nous allons faire un effort. Les notes qu'on sort à ma case. Dieu pour expliquer pour en réalité qui sont les frères de Joseph et qui est la famille de son père. Permettez qu'on fasse un peu un pas vers le recul. Nous avions expliqué Joseph au sens propre et au sens figure. Nous avions dit que Joseph, c'est le 11e fils de Jacob. Et là, nous avions tiré le nombre 11 pour dire que dans le nombre 11, il y a aussi la notion de la prise en charge. Donc Joseph était celui qui devait prendre en charge ses frères. D'où est-ce que nous avions sorti cela? C'était dans les faux. Et porter les souverains sacrificateurs. On
Bâtir Pedro les années faux de moi. Sur les faux de Nicolas là-bas. On devrait placer la pierre d'onyx. Et c'est quelqu'un qui m'a tiré ma carte d'onyx. Oh, la pierre d'onyx. C'était la 11e des pierres. Et ça a qui est ma carte. Pour chaque pierre précieuse. Représentait un fils de Jacob. Et ça a qui contient l'Isabon et Jacob. Ensemble avec vous, nous avions trouvé que la pierre d'onyx venait dans la 11e, à la 11e position. Onyx à la 11e position. Disons que c'est Saint Joseph. Remarquez que cette pierre d'onyx est vraie transportée sur elle. Et c'est là qu'il y avait ma Nicolas d'ailleurs. Les autres pierres. Ma banda Moussous. Oh, ces autres pierres là. Ma banda Moussous. Ce sont les fils de Jacob. Et c'est là qu'il peut m'aller. Donc, Onyx, hein. Comme Joseph. C'est lui. Et ça dit, il devrait porter sur ses épaules. C'est là qu'il y avait ma péca d'ailleurs. La domination. Voilà pourquoi Isaïe dira la domination reposera et sur son épaule. Mais cet Onyx est là. Saint Joseph est là. Il devrait prendre en charge ses frères. Dans la réalité des choses, Joseph, c'est le Seigneur de gloire Jésus Christ. Qui avait dit, venez à moi. Puisque tu es fatigué, chargé. Moi, je vous accorderai du repos. Le temps nous manquera. Oui, c'est le temps qui nous manquera. Mais si on veut prendre le temps pour parler de ces choses, je crois qu'à Joseph et celle, nous pouvons accorder 2-3 semaines. On peut parler de Joseph seulement 3 semaines. Mais le temps nous manque. Retiens seulement Joseph dont nous parlons. C'est vous bénis, sœur. Parce que si nous rentrons même dans les songes de Joseph, le premier songe de Joseph. Oui. Le premier songe de Joseph. Docteur Yamboyosef. Dans Genèse chapitre 37. Ah, Namokapoya Tukumi. Tukumi Sato. Namokapoya. Verset 7, je crois. Vous allez prouver que Joseph a fait son. Comment c'était quoi les sons? Et d'autres ils étaient dans les champs. Non, voilà. En train de lier le gerbe. Et voici ma gerbe s'éleva. Et c'était debout. Genèse 37, verset 7. Nous étions alliés, les jeunes. Au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'élevant et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Écoutez l'interprétation de ses frères. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras? Et il les haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 8. Est-ce que tu régneras sur nous? Donc, selon l'interprétation des saisons, Joseph était celui qui devait régner sur ses frères. Je prends ces paroles, bien évidemment. Celui qui devait régner sur ses frères. Remarquez une chose. Jésus. Écoutez ce que l'ange va dire à Marie. Allons vite dans le chapitre 1er. Écoutez le témoignage de l'ange à
Samarie. Luc chapitre 1er, verset 30, je lis. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce à Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Écoutez le verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. L'ange ici, moi je vois, reprend l'interprétation des frères de Joseph. Les frères de Joseph, Genèse 37, avait dit, tu régneras sur nous. Mais ici l'ange nous révèle que celui qui devrait régner éternellement dans la maison de Jacob. C'est clair, hein? Que vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Joseph, dont nous parlons ici, c'est le Seigneur de gloire Jésus. Parce que nous avons la compréhension de Joseph. Que c'est le Seigneur Jésus. Et tes amis Jésus. Avançons maintenant. Touchons maintenant les frères de Joseph et la famille de son père. Si Joseph est donc Jésus, qui sont ses frères et qui est la famille de son père? Que Dieu vous bénisse. Oh, laisse-moi te dire, viens le dans le Seigneur. Moi, je crois. Nous pouvons lire d'une manière générale que le frère de Jésus, c'est tout le saint. Et ça n'y va sans tout passe. Que Dieu vous bénisse. Ah. Ça, c'est d'une manière générale. Mais je crois aussi, mais d'une manière particulière, d'une manière spécifique, les frères de Jésus, et ça dit dans le thème, le frère de Jésus, et qu'il y a une bonne tête sur le ministre de la parole. Et ça dit, ça y a tout pas de l'homme. Oh, je vais te réprouver. Je vais te réprouver. J'ai dit d'abord, je me réserve pour que tu viennes pas me poser la question. Ça peut se dire d'une manière générale. Je vais lire aussi les versets qui le prouvent. Nous tous, c'est tel que nous sommes là. Nous sommes les frères de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Mais dans ce contexte ici, parce que lui-même Joseph est en train de séparer. Il parle de ses frères. Il parle aussi de la famille de son père. Si nous souvent nous devons toucher ce contexte, nous disons que les frères de Joseph, les frères de Joseph, les frères de Joseph, ce sont les fils de la parole. Les amis de Bassan, je veux que tu puisses avoir repéré quelque chose. Est-ce que tu sais que Joseph avait des catégories de frères? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous le savez? Joseph, dans la révélation, a deux catégories de frères. Joseph a des frères terrestres. Oh, ya, mais Joseph a aussi des frères. Là c'est bien difficile. Les amis passent. Mais rentrons dans les sens. Tous sont dans la carte. Rentrons dans les sens. Tous sont dans la carte.
Ce n'est pas pour rien que de mettre dans le Seigneur. Et donc Dieu voulait parler à Joseph. Parler à Joseph deux fois, cela veut dire qu'il y a une notion très importante. Et Dieu fait parler à Joseph. J'ai dit ceci, si vous rentrez dans les sens, Genèse 47, vous allez trouver que Dieu a donné à Joseph des sons. C'est ça, n'est-ce pas? Mais ces deux songes-là, dans l'explication, ne parlaient que d'une seule chose. C'est que dans l'explication, c'est que Joseph, c'est vrai régner, c'est vrai dominer, c'est si c'est vrai. Mais remarquez une chose, c'est des songes de l'Éternel. Joseph va représenter sous tes manières le frère de Joseph. Dans les premiers songes, c'était quoi? Nous étions dans les champs en train de lier les jeunes. Nous étions dans les champs en train de lier les jeunes. La lune et 11 étoiles, c'est procédé devant moi. Si vous remarquez très bien, le premier songe parlait des choses terrestres. C'est ça, n'est-ce pas? Les champs, c'est où? Babylon, les champs, c'est où? Babylon, nous étions dans les champs. Les champs, c'est où? C'est sur la terre. Les chèvres, c'est où? Les chèvres, c'est sur la terre. D'ailleurs, si vous remarquez bien, ce qui vous dans les premiers sons, Dieu parle. Si vous ramenez cela dans l'œuvre de la création, vous allez trouver que les premiers sons parlaient du troisième. C'est ça, n'est-ce pas? Le premier songe, il représente le frère de Joseph. Sous la forme terrestre. Avec comme symbole l'œuvre du troisième jour. Quand on voit le troisième jour, on voit aussi le troisième fils qui est Lévi, qui était le détenteur du sacerdoce qu'on a appelé le sacerdoce terrestre. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. Retenez ceci. Dans le premier son, les frères de Joseph sont terrestres. Mais dans le deuxième son, quitte la terre, il va au ciel. Il va représenter les frères de Joseph sous la forme céleste. Parce que le soleil, la lune, les étoiles, ce n'est pas sur la terre, mais c'est sur le ciel. Que Dieu vous bénisse. Je dis encore ceci. Les premiers songes, le frère terrestre. Les deuxièmes songes, le frère céleste. Vous avez trouvé que
calmement et simplement. Et tout le monde a la capacité, la facilité de comprendre. Socialiste ici. Dans le Bible. Joseph a des catégories de frères. Il a des frères terrestres. Il a aussi des frères célestes. Le véritable Joseph, c'est le Seigneur de Jésus-Christ. Si Joseph est Jésus, c'est qui Joseph et lui, Joseph, dans l'ombre, il a deux catégories de frères. Cette histoire doit se répéter dans la vie de Jésus-Christ. Nous devons aussi voir Jésus dans les sept Écritures avec les deux catégories de frères. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 12, Jésus est en train d'enseigner la foule. Si vous commencez à partir du verset 46, ce qui m'a dit, vous allez trouver que Jésus était en train d'enseigner la foule. Mais une foule n'est pas comme les autres. Parce que cette foule là, c'est une foule qui n'était pas dehors. Il y a les bandes là.
Là, j'explique d'abord dans la connaissance. Les frères de Joseph et la famille de son père. Remarquez le frère de Joseph. Selon la connaissance. Jacob quitta Beersheba. Jacob a l'oba qui n'a pas qu'à Beersheba. Et les fils d'Israël mirent Jacob leur père. Les fils d'Israël ici, ce sont les frères de Joseph. Je crois que c'est ça. Ah. Hein? Ah, ici, ils étaient au nombre de combien? De 10. Ah, bah, ça qui m'a boni. Parce que Benjamin est retenu. Oui, t'es juste. Benjamin, ça qui voulait pas. Il y a Joseph, vous les ah. Joseph avait retenu. Ah, Joseph, pas qui Benjamin. Vous voyez les autres pour aller chercher les pères. A dit, ma missus, pas qui est pour le catatan. Ces autres-là. Peba sousouana, quand tu dis, il commet le dit. Et les fils d'Israël. Peba na Israël. Mir Jacob, les pères. Batia tombe tata la mort. Donc si les fils d'Israël, mir Jacob, les pères. Sibana Israël, Batia tombe tata la mort. C'est-à-dire, les fils d'Israël, ici, en d'autres termes, ce sont les frères de Joseph. Et Nicolas, te bala Israël, oyo na yon beri, moussous, c'est-à-dire, ma n'y pas Joseph. Leur père, avec leurs enfants. Batia tata la mort, le bon appât, non yaman. Remarquez. Il y a les fils d'Israël, leurs enfants, et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transports. Ils prirent aussi leurs troupeaux et le bien qu'ils avaient acquis dans le pays des Canaan. Et Jacob s'est rendu en Égypte avec toute sa famille. Il est maintenant avec lui en Égypte. Remarquez, ses fils. Les fils de Jacob. Yaakov, ce sont les frères de Jacob et Joseph. Ah, les animaux de Joseph. Que Dieu vous bénisse. Ah. Jacob. Yaakov. Amenèrent en Égypte. Ses fils. Et le fils de ses fils. Ses filles et les filles de ses fils. Et toute sa famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire, dans la connaissance, la carte, oui, si nous voulons bien parler des frères de Joseph, ce que nous avons dit, c'est qui? Y a Dieu, c'est ce sont les enfants de Jacob. Et Saliban, les enfants de Jacob, Yaakov, c'est aussi les 11. Et Saliban, ma soeur, il a plus Joseph lui-même, 12. Na Yosef, il est mon copain. Mais quand je te parle, Yosef, ma soeur, il dit mes frères et la famille de mon père. C'est les frères là, ce sont les 11. Et Saliban, ma soeur, il a que Dieu vous bénisse. Les frères de Joseph, dans la connaissance, c'est d'abord les 11. Et Saliban, ma soeur, il a la famille de mon père. La famille de son père, c'est qui? Ah, ce sont les enfants ou les fils de Jacob. Et les femmes qui avaient épousé les fils de Jacob. Ce sont des. Ils sont la classe de la famille de Jacob. C'est Jésus. Les amis, les frères de Joseph. Les 11. Ce sont les ministres de la parole. Les amis, la famille de son père. C'est l'église. Les amis, l'église. Les enfants au ministère et bâti. Ah, les enfants que le ministère engendre. Dans le ministère engendre. Et fils. Mais quand le ministère vous engendre, c'est pour que vous appartenez à la famille du Père. Donc vous êtes la famille du Père de Joseph. C'est pour qu'il vous bénisse. Les frères de Joseph, ce sont les ministres de la parole. Matthieu chapitre 28. Que Dieu me fasse grâce. Mon canard à Matthieu, je vais vous le prouver. Tout comme il Matthieu
chapitre 28, je suis au verset, que Dieu nous fasse grâce. Je prends le verset 10 d'abord. Et après nous allons prendre le verset 16. Remarquez bien le Seigneur. Même à partir du verset 16. Et voici, Jésus vient les rencontrer et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Et elles l'adoraient. Mais elle dit, alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères. Allez dire à mes frères. Elles seront en Galilée. C'est là qu'ils le verront. Que Dieu vous bénisse. L'histoire ici, c'est quoi? L'histoire, les amis. C'était deux femmes. Qui s'étaient rendues à l'aube. Dans la tombe de Jésus. Et toi, c'était de Marie de Magdala et l'autre Marie. Et ça, qui Marie de Magdala n'a Marie à mon sujet. C'est pas forcément Marie-Mère de Jésus. Et ça, qui pensa de Marie de Magdala. C'est Marie de Magdala et l'autre Marie. Et ça, qui Marie à Magdala. Dans les sépulcres. Mais en arrivant dans les sépulcres, ils ont trouvé un ange. Il leur a dit que Jésus n'est plus ici. Il a été ressuscité des morts. Mais là, quand il est retourné, pendant qu'il marchait, Jésus s'est jeté à elle. Il est accueilli. Écoutez ce qu'il est là. N'ayez pas peur. Mais allez plutôt dire à mes frères. Ne pas dire à n'importe qui. Mais allez dire à mes frères. Je suis en train de chercher les frères de Joseph. J'ai dit que Joseph c'est Jésus. Ici je cherche le frère de Joseph. Allez dire à mes frères. Les séances de Galilée. C'est là qu'il est. Ici, l'écriture précise. Ils s'étaient remis en Galilée. Ce n'était pas tous. Ce n'était pas tous les croyants. Mais l'écriture précise, c'était 11 disciples. Alors, je comprends. Quand Jésus a dit, allez dire à mes frères, les frères de Jésus, ici, c'est d'abord les 11. Voilà pourquoi moi je me permets de dire aussi que si nous voulons parler des frères de Jésus, les frères de Jésus, c'est les 11 qui sont aujourd'hui représentés par le ministère de la parole dans le corps qu'on appelle le ministère de la parole. Aujourd'hui, les frères de Jésus, c'est nous qui sommes les frères de Jésus. Les frères de Joseph, c'est nous qui sommes les frères de Jésus. Mais vous, vous êtes la famille de son père. Qui sont ces hommes? Les frères de Joseph. La famille de son père. Cela veut dire quoi? Que ce soit les ministres.
Le brebis c'est quoi?
Mais quand Élie le Sopien a lu cette écriture, il a cherché à connaître qui est donc ce Élie-là dont le prophète disait. Et Philippe va lui dire, c'est Élie dont Isaïe a parlé. C'est le Seigneur proche. Donc Jésus est aussi le prophète. C'est clair, n'est-ce pas? Jésus est-il le prophète? C'est lui qui a reçu Jésus dans sa vie. Il est celui qui garde la brebis dans sa main. Celui qui combatte la bataille. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est lui qui a Jésus dans sa vie. Jésus, c'est toute une brebis. Et nous avons reçu. Et nous gardons dans nos cœurs. Que Dieu vous combatte la montée, madame. Que Dieu vous bénisse. Amen. Go. Non, mais. Les frères Paul. A des compagnons. A pris l'écriture dans l'homme. A su du commun et l'ingui. Qui parlait de bœuf. L'écriture déclare, tu ne miseras pas le beurre. Quand tu disais cela, il se mettait-il en peine de beurre? La réponse est quoi? C'est la cause. Nous qui gardons le prédit, nous qui gardons le prédit, en des termes clairs, le prédit c'est quoi? Le B c'est quoi? Ce sont les apôtres, les prophètes, Jésus-Christ et les Christ. Parce que les apôtres aussi sont démontrés dans les écritures comme des béliers. Ah, pour être maintenant, peut malhonner la maman à ma commune, le corps à ma c'est à cause de toi. On nous égorge. On nous regarde comme des brebis dessinées à la bouche. Les apôtres. C'est aussi les brebis. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même. Les prophètes de l'ancienne alliance. Étaient aussi les brebis. Quand j'ai dit que nous sommes des bergers, nous gardons les brebis. C'est nous qui gardons la doctrine. La doctrine, c'est pas l'affaire de nos péchés. La doctrine, c'est pas seulement l'affaire des pasteurs. Parce que beaucoup dans la plupart des cas, on était belé. On a un peu de temps. Lui aussi, même lui, il y a beaucoup de doctrine. Donc, quand tu dis, mais il est beaucoup monté. Je suis venu. J'ai parlé avec les frères.
Nous avons réparé, nous devons laisser tomber. Ah, tout bon, c'est tout bien, c'est tout. Les frères. D'ailleurs, les frères ne pas m'écouter. Merci Seigneur, je me souviens. Ah, le prédicateur n'a fait pas mal prêcher. Mon Dieu a été malade. La route qu'il avait empruntée, selon la zone qu'il a été à l'air, était différente de notre ministre qui avait déjà parlé de ces sujets précédemment. N'a pas été mon souci à l'homme de la délité à voir la carte. Et comme ils avaient écouté ces ministres, il voulait seulement que celui qui était venu puisse parler comme l'homme. Il a donné un autre chemin. Il a présenté à mon souci. Moi j'ai dit que la prédication que nous Paul appelle cela la sagesse infiniment valable. La domaine de révélation. Nous appelons cela aussi une femme libre. C'était le travail de Jacob. Jacob
Jacob qui avait travaillé. Il a souffert chez la en train de travailler. Il a souffert. Après, il va gagner les brebis. Il va sortir avec ses troupeaux. Et quand les enfants vont naître, quand les enfants vont grandir, ils vont trouver que le père a déjà travaillé. Ils vont trouver que le père a déjà des troupeaux. Les enfants vont entrer. Ils vont travailler. Pour garder les troupeaux des pères. C'est le travail de Jacob. Les animaux sont là. Il leur avait donné ces brebis. Si nous avons des brebis aujourd'hui, les brebis, c'est quoi dans notre contexte? C'est la doctrine. C'est l'enseignement des apôtres. Vous devez savoir que Christ a donné sa vie pour que toi, par tes lois, tu puisses avoir la connaissance de la vérité. Il a donné sa vie à la croix, frère. Enfant de Dieu. À cause de cela. Ah, moi j'ai toujours eu pitié. J'ai toujours eu pitié. Surtout des concerts aujourd'hui. Mon frère, ma soeur. Tu n'as pas foulé au pied de la doctrine. C'est pas à cause d'une fête. Nous voyons des enfants de Dieu. Tout ce monde là-bas, qui leur dit des fêtes comme ça. Attends, il ne met pas de bec à Un prédicateur. Une fois dans la vie, j'étais avec un prédicateur. Nous étions assis quelque part. Il s'est arrêté après de venir. Elle a décoré son. Quand le prédicateur est cadré, il dira oh, c'est ça. Vraiment, tu es un beau tableau de bête. Oh, ça dit Pena est un homme là où il y a un beau tableau de bête. Et ta mère, mon pas pour la malade du Pena. Oh, ma soeur. Je ne peux pas être assimilé à un tableau de peinture. Et pour qui tu prendre le visage que Dieu t'a donné. Tu es là, tu t'assois, là, tu es devant un miroir. Il est desservi. On est en train de décorer ton visage. Vous croyez que vous qui êtes marié, par exemple, vous vous lavez la nuit avant de dormir. Vous soyez en boîte en disque là. Dormez avec vos tripes. Bon. Je serai de regard. Il dit ma fille, habite avec moi la main. Le visage que je lui ai donné. Et l'onglet la spécifique. Il n'aime pas cela. Aligné à côté. La couleur. L'angle à bébé. Et ses lèvres. Ne lui plaît pas. Et qu'est-ce que c'est pour ça? Il vient maintenant dit. Je vais lui décorer. Il a pas collé l'angui. Il fait des dessins ici. Sali au pena malangi na na maki. Na maki qui t'a posé la grande ça il allonge. Ah, à peine il pena ni qui qui a les ongles les plastiques. À peine sur manzaka les plastiques. Il prend le cheval il descend c'est la justice. Ah, à ce souk à peine il qui non assis man. Il prend les sangs. À ce maquila. Ah, maquila. Pas bolé on a plus pas. Ah, il est fini pour moi toucher pour ma. Maintenant le frère a traîné. C'était comme mal. Ah, c'est là comme ça pour la. Je vais réveiller le frère. Attends, maman, ça va la bouche pour moi. Regarde le père. Attends, là. Quand le frère se réveille, t'as la. Il regarde de la scène. Attends, voici là. Il trouve du sang dans les lèvres de la scène. Vraiment, le frère n'est pas parti. Il a quoi? Il dira que ma femme est devenue sorcière. Je vous dis, il dira que ma femme est devenue sorcière. Ma femme c'est une sorcière. Dieu l'a mise à nu. Oh, je suis marié avec une sorcière. Oh frère, nous devons savoir. Mes soeurs, quand nous décorons nos vies. Que la fête vienne au parc. Ah, et nous et à ton tête. Ne peut pas faire des choses. On compte pour ça la macabre. On est au la parole. L'Ibanda ne peut pas faire des choses. On compte pour ça la macabre. L'Ibanda est à la doctrine. Bâtir à l'idée à la doctrine te sauvera. L'idée à mon côté, comme il dit ça. La doctrine te bénira. Et qu'on prend pour la caillou. Tout le monde aura à t'abandonner un jour. Même le mariage va t'abandonner un jour.
Il est allé accoucher. À quelque part. Et va rendre là. Père couvri. La sœur a rendu là. De quoi couvri? Nous l'avons amené. Toménie. On l'a pleuré. Toménie. La suite c'est quoi? Père que nous allons enterrer. Tokumi. Mais il faut voir comment le frère pleure. Et c'est clair comment la négé de quoi. Il faut voir comment le frère pleure. Par des voisins pour les. Les frères, les maris. Ah, mon père il n'a rien collé là. Il pleurait. Ça a collé là la passe. On a mis au cimetière. Ah, le canard. Nous avons déposé la scène. Tout ce qui, moi, nous sommes rentrés. Tout zombie. Quand nous rentrions, tout zombie, c'est venu là. Ah, j'ai commencé à venir. Ça va, c'est que c'est le prêche. J'ai pas posé. T'es à l'issue. C'est vraiment vrai. Les aviations. Voilà comment. On a abandonné la scène. Tout ce qui est découpé. Tout le monde a abandonné la scène. Tout le monde est rentré dans la scène. Moi, j'ai dit tout le monde l'a abandonné. Mais un homme qui n'a pas abandonné. Quasiment. Tout le monde a abandonné la scène. Tout le monde a abandonné la scène. Au-delà de toutes les souffrances et souffrances dans cette
Tu connais mes sœurs, tu me connais aussi Jésus.